malheureux abandon du long shot d'Éric Langevin. On est à 15 secondes. 10. L'Olympique, un drapeau jaune pour signaler la présence là, du bateau de Langevin. On est à 3 secondes. Bon départ pour le Intensity de Ken Brody. C'est lui qui prend le devant. Paquedo est à l'intérieur. Et Marc Lecomte est troisième. Oh, excellent départ. Hein? Troisième corridor de Brody. Mais attention, Rolling Thunder. Qui est maintenant côte à côte avec Brody. Et qui a pris le devant. Mais attention! Brody qui réplique! Oh, ça va être toute une bagarre entre ces deux pilotes! Alors que Lecomte est troisième! Alors, à l'intérieur, c'est le Rolling Thunder! À ses côtés, c'est le Intensity, mais on voit que Paquedoni augmente son avance! Il a failli perdre la maîtrise dans le virage, mais tout de même conserve son avance. On est à la mi-course. Et Brody qui ne lâche pas, qui talonne toujours le Rolling Thunder. Et Paquedo qui semble avoir plus de puissance avec son embarcation. Et qui creuse l'écart devant Ken Brody. On va entamer le dernier tour. Avec un tour à faire, c'est le Rolling Thunder. Suivi de Intensity. Et ça a été intéressant de voir Éric Langevin se flotter. À ses compétiteurs. Et pour l'instant, avec un demi-parcours à faire, c'est Tom Paquedoni. Suivi de Ken Brody. Dernier virage. On présente le drapeau quadrillé à Tom Paquedoni. Victoire du Rolling Thunder. Deuxième, Ken Brody. Intensity. Et le GP 104 place de tour Valleyfield finit troisième avec Marc Lecomte. 10. On indique un drapeau jaune pour